Quel trailer. On vous rappelle hein, les amis, mais bon, je pense que vous êtes tous au courant que les Nation War c'était hier et que la France s'est qualifiée avec la Russie pour les demi-finales. Oh oui. Et donc que ça va être du gros fat les amis et qu'on est très très contents. C'était une très très bonne journée hier. C'est dingue. D'ailleurs aujourd'hui c'est un peu, c'est marrant, c'est le, tu vois, c'est le contre-coup. D'une journée tellement énergétique et tellement dans la folie, hein. C'était fou en plus hein, l'ambiance qu'il y avait sur le plateau, il y avait énormément de monde, tout le monde était surexcité pour la France et on a vu que c'était aussi le cas, j'ai envie de dire, dans vos chaumières. Tout et d'ailleurs encore un gros big up à tous les gens qui nous ont envoyé des tweets et surtout d'ailleurs les tweets des setups, quand on vous voyait donc avec votre télé et tout, je trouvais ça très sympa de voir comment chacun faisait son petit setup dans son jardin ou dans son salon ou même dans sa cuisine pour certains, donc voilà encore un gros big up à vous le savez, on a Underdogs, mes amis, c'est reparti pour la nouvelle saison. Oh yeah. Et on a deux gros joueurs qui vont s'affronter. Bon. Ouais, deux gros joueurs, Minimat contre Psyonix. Comme on a dit, un Minimat quand même qui a fait 4-0 Lillebo hier. Donc c'est quand même exceptionnel de mettre 4-0 à Lillebo, alors que Lillebo, on peut montrer que c'est quand même un tueur de zerg. Clairement. Donc j'ai peur pour Psyonix, mais après Psyonix n'est pas comme les autres protos aussi. Donc on va voir ce que ça va donner. Enfin, qu'est-ce que t'en penses toi, mon cher Ponf, parce que... Ah bah Minimat... Je dois bien dire que je l'ai personnellement beaucoup taunt. J'ai essayé pendant 4-5 mois comme ça de l'énerver, titiller la petite fibre qui existe chez chaque pro-gamer, c'est-à-dire l'honneur. On est là, t'es qu'une merde et tout, t'es sorti d'Underdogs, tu pues du boule. Et du coup, non, je vais m'entraîner, je vais revenir au top niveau et tout. Et là, du coup, il a réussi à se qualifier donc, en sortant Adelskat en up and down la semaine dernière. Et du coup, il était très content de tomber contre Psyonix, puisqu'il était. On avait fait le tirage au sort en live. C'était soit Psyonix, soit Daichi quand même. C'était soit Psyonix, soit Daichi. En effet. Et du coup, il était heureux comme un gosse, du coup, parce qu'il s'est dit bon, bah, j'ai ma chance en tout cas pour arriver en demi-finale Underdogs et revenir au top level. Redorer le blason, tout ça, tout ça. Psyonix, pareil, qui revient dans Underdogs après une petite latence, un petit lag de 3-4 mois, ouais. Depuis la saison de décembre, puisqu'il avait dû forfait la compète. Et bah, après, dans Underdogs, vu qu'il y a beaucoup de demandes, tu ne peux pas revenir à chaque mois automatiquement. Ouais. Et donc, du coup, Psyonix, là, qui se requalifie lui aussi en battant BSK, je crois, en up and down. Ah, je me rappelle plus de tête. Mais sûrement. Et non, c'était contre Jason. Jason, c'était voilà. Jason. Ouais. C'était le PVP le plus rapide du monde. Où exact. Il y avait du cheese contre cheese contre cheese. Exact. C'était 2-1 et Psyonix a battu Jason de peu. Et là, voilà, et là, il est motivé. Il veut battre parce qu'après, c'est pas fini. Donc là, on est en quart de finale d'Underdogs. Celui qui perd
juste après, doit jouer contre le perdant de l'autre quart de finale. Et après, s'il perd encore une fois, il redescend en Up Dog, donc il peut encore se faire méga éliminer et on ne le revoit plus pendant quelques mois. Donc c'est vraiment des matchs importants. Là, tout va se jouer ce soir pour eux. C'est important parce que s'ils passent, ils passent en demi-finale. Cash prize, l'argent, la richesse, les femmes, tout en fait. Ouais, la game est lancée, mais j'aimerais bien avoir l'avis de d'Imre. Tu dois connaître ces deux joueurs. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Tu as quelque chose à nous dire? Je pense dans cette rencontre, pour Psionic, il y a deux choses qui ne sont vraiment pas terribles pour lui. Ouais. Déjà, c'est il joue un de ses teammates. Ouais. Donc ça réduit grandement l'impact de ses cheese, etc. Parce que plus tu connais un joueur qui cheese, plus tu t'identifies des trucs dans son jeu qui te font dire là. Plus tu connais Moment, plus tu as le chance de le bourrer. Voilà. C'est ça, plus tu connais Moment, plus tu sais quand c'est Roach, quand c'est Nidus, quand c'est Benny. C'est ça. Exactement. Et donc là, c'est un peu pareil avec Psionic. Et d'un autre côté, Minimat est super chaud. Et je pense qu'intrinsèquement, Minimat des deux est quand même le meilleur joueur. Donc le côté cheese de Psionic a moins de prise sur Minimat. C'est ça, c'est moins de prise sur un joueur français, c'est moins de prise sur quelqu'un de ta team. Forcément, ouais. Tu as plus de chances de surprendre, je sais pas, mais genre un TFL ou un Labzerg, parce que le mec, il en a rien à battre. T'es un random GM, donc il prépare pas pour toi et là, t'arrives. Comme Maker, par exemple, hier, hein, on l'attendait pas trop sur ce registre. Il est arrivé avec ses deux BO double Axe à 11 et son 5 racks contre Protoss. Salut Nounou. Et en effet, c'est vrai que si tu ne sais pas que le joueur joue comme ça, Huck, on le voit, il l'a compris un peu tard. Hein. C'est parti les amis, vous pouvez donc voir que nous sommes pour Underdog, c'est la première émission de la saison 9. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, on va pouvoir présenter les joueurs. D'ailleurs c'est intéressant, c'est pas la première fois qu'on se retrouve avec des Team Kill direct. Ouais. Et là, ce soir, c'est une soirée spéciale Team Kill. On va d'abord avoir Team AAA qui se met sur la gueule. Ouais, c'est et clair. Puis après, ça va être la Team Millennium, donc comme quoi c'est plutôt intéressant. Pas de jaloux. Pour la team Against All Authority, nous avons donc en haut à droite de la map un joueur Protoss. Il est en rouge et il se nomme Psionic. Allez, Psionic. Et en pas à gauche de la map, Moment. Nous avons un Zerg en bleu de l'équipe AAA, Minimat. Et on peut voir que là, sur cette game, Minimat a peur quand même. Hein. Il est quand même parti sur pool 14, hein. Donc il avait peur des double get. Hein. On connaît Psionic, kiffe ses double get proxy. Donc il a joué super safe, hein. Pool 14. Pourquoi pool 15, c'est compliqué pour contrer le double get? C'est surtout que souvent, en fait, ça change un petit peu, mais c'est surtout la hatch. Souvent maintenant, en ce moment, la metagame du Zerg contre Protoss, c'est hatch first. D'accord. Donc les mecs font pool 14 ou pool 15. Après les 14, si t'as pool 14 un petit peu plus tôt, donc t'as queen plus tôt, des glings qui sortent plus tôt, et tu ça peut faire la diff quand c'est différence. Un peu compliqué, d'accord. Parce qu'après tu peux te dire que ta queen quand elle sort plus tôt, donc t'auras tes 4 là plus tôt, et tu peux aller assez loin, quoi. Ouais, clairement. Du coup, la B2 ici qui vous le voyez de la part de Minimal va bientôt se terminer. Ça a été très bien mappé de la part de Psionic qui a pu prendre toutes les informations et qui a vu le gaz rapide. Il va directement sur la B3 parce qu'il sait que dans le metagame ZVP, la B3 est prise très rapidement et du côté de chez Minimat, on scoute et pour le moment on ne voit pas de B2, on a plus de 4 minutes, donc là on peut se dire tiens, cela commence à être étrange, vas-tu la poser ou pas? Et il la voit, donc tout est bon, pas de problème pour le moment. Il sait quand même que c'est opening bien gateway, hein. Quand c'est comme ça, le corps il est là, le warp gate est envoyé, il y a les deux gaz, il n'y a pas plus tard limite. Quoi. En fait il sait exactement que c'est double gaz, que c'est une gate double gaz, parce que normalement quand tu ne fais pas les double gaz, tu es à moins de 4 minutes, tu es à 3 minutes 45 et 3 minutes 50, donc c'est ça qui est important, quand c'est plus de 4 minutes, c'est double gaz, et donc il faut faire quand même attention quand tu double gaz, hein, ça peut partir sur du Stargate ou même du robot rapidement, de la fat ou même d'été, ça peut partir. Et là d'ailleurs on voit Psionic qui est en train de faire 3 centries et en ZVP, en PVZ maintenant on fait plus des centries pour défendre, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Là il veut accumuler de l'énergie sur ses centries pour les faire aussitôt. Ça veut dire qu'il va y avoir probablement au moins une pression sur deux bases. Ou alors qu'il va partir phase B3. Parce que quand les joueurs partent phase B3, maintenant ils font aussi pas mal ça. Et tout dépendra de la pose de la forge ou pas. Souvent dernièrement les joueurs quand ils posent phase B3, ils sont obligés de poser la forge pour pouvoir avoir quelques photons sur la B3. Donc c'est ça que je trouve vraiment sympa dans le jeu Protoss dernièrement, c'est que avant avec les gaz, t'avais beaucoup d'informations. Je trouve que maintenant contre la race Protoss, de juste voir les gaz, c'est plus une information tant que ça. C'est devenu un truc de ouf. Ceci étant, plus 3 gates là. Donc ça va vraiment dans le sens de ce que dit Imre. Hein. Ouais, là ça peut mettre une pression. Parce que normalement t'en as une en moins hein, quand tu vas chercher la B3 et tu fais la forge au lieu de la quatrième.
Parce que là, on peut le dire, hein, il a une guette qui est dans la B1 et les deux guettes qui sont sur le wall. Donc ça lui montre à Minimat qu'il y a deux guettes sur le wall, donc ça peut être un 3 guettes, mais il ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce qu'il y a la technologie, est-ce qu'il y a deux guettes de plus. Et là, c'est une pressure, ce n'est pas un all-in, parce que sinon, c'est plutôt du 5 guettes. Et là, ce qui est marrant, c'est que Minimat est parti sur beaucoup de zergling. Hein, donc il sent le truc arriver, on dirait. Il veut l'attraper hein, à l'extérieur. Soit. Alors là pour lui dans Minimat c'est soit il veut sanctionner la B3 trop tôt, ouais. Parce que ça c'est important, c'est qu'à ce moment là de la partie à 7 minutes il prend B3 limite avec 2 centries et 1 zilote ou 3 centries 1 zilote, soit il attend qu'il sorte avec ses 4 guettes, c'est ce qui est en train de se passer, et il essaie de l'attraper au plus loin, parce que si tu l'attrapes là où quand c'est très vaste la map, c'est à dire qu'il doit faire 50 000 force feed, bah, c'est mieux que le faire à ce moment là de la partie qui est partie, les airings qui arrivent directement sur centrie, oh il va tuer une centrie et il tue un zilote, voilà, c'est ce qui s'est passé. Minimat, son plan jeu était parfait. Il a très dit tu veux me pressure, je vais t'attraper juste devant chez toi, comme ça plus tu utilises ta mana pour téléporter. De deux, tu pourras même pas forteresse, enfin tu veux pas faire photon overcharge, donc tu vas être défensive et tu sais pas ce qui peut arriver derrière. Ouais, clairement, très bien joué là de la part de Minimat qui du coup vient poker le wall un peu avec ses Zerglings. Évidemment, il ne va pas entrer dedans, il voit que c'est un peu le hood pour le moment. Les Zerglings ici qui vont essayer de renforcer un peu quelques force field. Ah, il prend la fight, hein, il essaie carrément de dégraisser quelques sentries. Mais il n'y arrive pas, hein. Il a tué rien du tout, hein. Là c'est dommage pour lui. Mais parce ça aurait été bien qu'il parte, ouais, pour la provocation plus qu'autre chose. Il aurait dû faire exactement ça, attaquer, faire semblant et après repartir. Ça aurait utilisé toute la mana des force fields. Là il lui reste quoi, 4 force fields. Et le truc c'est que 4 force fields c'est dur de garder la B2. Là, et finalement en fait, je crois que derrière Minimat il est parti pour un petit all-in, hein, parce que là on voit 12 roaches. Les drones, il n'en a pas autant que ça alors qu'il est sur B3. Là, ouais, ça va faire mal quand même. 47 collecteurs à 45, le T2 qui va bientôt se terminer. On a quelques roaches qui sont en cours de production. Psionic est allé voir sa B3 et du coup, il va aller la poser. Vous pouvez voir qu'il a envoyé double forge, hein, Psionic. Dès qu'il a vu qu'il s'était fait contrer, il a envoyé double forge et maintenant, il rajoute complexe robot. Quelques force field envoyés. Bien joué quand même de la part de Minimat d'avoir chopé la probe. Ça va refaire perdre 30 secondes et une B3 qui allait être à 9-15 va se retrouver à 10 minutes. Donc, ça ne mange pas de pain. Mais ça fait plaisir. Mais là, je trouve ça juste dommage pour Minimat parce que là, il n'aurait pas perdu ses 30 zerglings. Il aurait pu complètement finir la game là-dessus. Parce que là, on peut voir niveau prod, enfin niveau unité, il a quand même 16 roaches. Et là, il aurait eu 35 zerglings. Ouais, grave. Bah, il aurait détruit en fait Psionic. Ouais. Ça, c'est juste dommage. Je pense que c'était son plan de jeu. Et après, il a voulu prendre la fight alors qu'il n'aurait pas dû. Et là, on a vu, hein, il a refait de la production massive de drones. Et là, on a le scout, hein, de la part du Phoenix Halluciné qui prend toute l'information et qui voit que pour le moment, c'est pas Spire ni rien. Il a vu le Batarouch aussi qui bouge, donc qui recherche. Donc là, c'est très bien joué de la part de Psionic parce qu'il a toutes les informations dont il a besoin. Tu veux faire une réflexion, Ibrahim ? Il y a un gros problème dans le jeu Psionic, c'est qu'il est parti sur un fast double forge, ouais, après son agression, et je crois qu'il n'a pas de Twilight. Du coup, il va perdre complètement l'avantage de sa double forge. C'est très bien vu, en effet. Il n'y a pas de conseil crépusculaire. Avancer à robot et... Ça pourrait. Ouais, il l'a pas. Exact. Ah oui, grosse erreur. Je pense que là, c'est une erreur parce qu'il a passé de gate pour partir all-in sur Infected. Donc, c'est une erreur qui va lui coûter cher parce qu'il a pris un risque avec cette double forge, avec cette robot, un risque à payer puisqu'il va quand même poser sa third. Mais il va pas en profiter vu qu'il va pas pouvoir enchaîner sur son 2-2. Clairement, et attention, grosse prise de fight ici qui est envoyée de la part de Minimat. Bon force field de la part de Psionic parce qu'il trappe quelques roaches. Mais ça fait quand même beaucoup de force field. Mais finalement, regarde, son double upgrade, ça l'a aidé puisque finalement, en face, il y a 0-0. Minimat a préféré prendre la fight avant son 1-1, c'est-à-dire que les zilotes ont two-shot les zerglings, ouais, et les stalkers ont fait encore plus mal. Donc finalement, son double upgrade, certes, le tous les conseils, il a dû l'oublier. Hein, honnêtement, je pense qu'il a dû le faire et ça, il avait passé le gaz. Ça aurait pu faire la différence, mais son petit 1-1 a quand même fait la différence. Ah, mais je pense qu'Ibray ne remet pas en cause le 1-1. Oui, bien sûr, il remet en cause, il ne fait pas la suite alors qu'il pourrait garder l'avantage au long terme. Quoi. Mais non, le 1-1 est très bien. Et d'ailleurs, mais je crois que tu dois le savoir mieux que moi. Psionic, c'est grave son style, ça, de faire le double forge. Oui, hein. Oui, il kiffe c'est son double forge. C'est un joueur qui kiffe ça. Hein. Il est joué double forge. Avant, il le faisait pas. Maintenant, il le fait depuis. Je crois que c'est depuis 3 mois. Il est vraiment sous double forge. Ouais. Et c'est le style du Stardust, si je me trompe pas, où il kiffait faire le double exact, forge. Exact, c'est vrai que j'ai souvenir de Stardust double forge. Stardust, c'est un joueur que j'adore. D'ailleurs, attention, tentative de Big Mac de la part de Mini-Miniature. Oh, les forces qui sont pas si bien positionnés parce que l'immortel est en train de prendre cher alors qu'il est tout derrière. Il doit faire une belle micro, mais regarde moi ça, tous les roches. Oh là là, mais finalement, c'était parfait. Il va détruire cette base, cette gold. Donc finalement, on sera sur 3 bases contre 3 bases. C'est très dur pour Psionic. Nous sommes quand même à 140. Très dur pour Minimat. Ouais. Parce qu'on est à 142 pop contre 135. La hache qui va pas tomber. Si la hache qui tombe, là il reprend la fight. Est-ce que c'est un très très bon choix technique de prendre la fight maintenant? Peut-être. Encore des forces qui sont été envoyées. Et le recall. Oh, l'immo qui tombe. L'immo qui tombe.
un millième de seconde et pause. Demander d'Optionique, ça peut arriver. Hein. Un coup de téléphone, son père qui le frappe. C'est bon, il s'est retourné, il a remis une droite, donc c'est bon. Ah, il a dit FPS, donc peut-être son PC qui comment dire, qui le faisait un peu laguer. Allez, c'est reparti du coup, les roaches qui se battent. C'est ça qui est marrant, c'est le, comme n'importe quel pro-gamer, Psionique qui se fait battre par ses parents. Qu'est-ce que tu fous? Encore en train de jouer, encore là, en train de jouer. Putain. Tu devais bosser tes cours, là, t'es fait en King examen, ordinateur. Je te dénie, je... J'avais des parents d'un pote comme ça qui coupaient carrément l'alimentation de la baraque. Comme ça, le mec n'avait plus de courant. Bien fait pour ta gueule. tu gagnais, c'était dommage. Fat, mon gars. Attention ici, les Protoss. Qui n'aime pas trop se faire attaquer la B3 quand même. Hein. L'argent, c'est quand même le futur. Je sais pas si t'as vu, mais il a tapé un coup avec toutes ses unités sur le Nexus. Il a perdu déjà le quart de vie. Ah, j'avais pas vu, en effet. Il s'est énervé. T'sais. C'est là qu'on voit que Protoss, c'est un bon DPS quand même. C'est clair. Il aurait été en 4 shots quand même. Hein. Et les mutas qui arrivent dans la B1. Et voilà, les mutas, alors, les surprises. Ça, c'est 10 propres gratuites. Ouais. Et là, c'est très bien joué. 11, on va peut-être passer à... Honnêtement, il peut passer à 17. Hein. Allez. Tu paries 17? Allez, moi, je vais sur la majorité, je parie 18. Maman, tu vas à, tu vas à combien? Oh, 21, 21. Oh, 18, ah, c'est 21. Pas fini. Ah, ça, tu fais là, l'américain, le texan. Majorité à l'américaine. Attends, c'est caché dans le cadre. Ah, merde. Oh. Allez, c'est 18, pilotes. C'est gagné pour Nonos. Attention, ici, on a une prise de fight de la part de Mini Dur. Minimat qui joue bien là. Ah, il joue très bien. Les mutas qui font complètement la différence et ça fait tilter le Protoss parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il défend sa B2? Est-ce qu'il contre-attaque? Alors qu'il avait les possibilités de contre-attaquer. Et là, le problème, c'est qu'il donne des stalkers. Des problèmes encore qui vont tomber. Oh, bah, je vais dire 42, pardon, excuse-moi. 42. Et le blink est tardif aussi. Hein. Le blink est tardif comparé au build order qu'on peut voir par exemple. Plus de, on va dire, la veine de San, Todd, Lilbo. J'aime beaucoup moi le montage des Protoss dans ce style là avec le blink rapide. C'est ouf, hein. Ça me rappelle la game Lilbo contre Liveserg. C'est voilà. Exactement ce qui s'est passé. C'est ça. Et c'est exactement de cette manière qu'il a gagné contre Lilbo. Il joue Rotling avec les upgrades de pour que les blinks servent à quelque chose. Oh là, il donne tout. Oh l'engagement. Mais Lilbo upgrade après son blink alors que lui fait les upgrades avant le blink. Ouais, je préfère la méthode Lilbo. Là aussi, il a oublié ses deux gaz sur sa B3. Du coup, à un moment, il avait genre 700 de minerai, 50 de gaz. Il pouvait pas faire son dodo, il pouvait pas faire son blink. Exact. Je pense que c'est un peu ça qu'il a mis dedans. Ah, c'est vrai. Et là, Minimat qui joue quand même extrêmement attention, bien. Attention, les mutas qui continuent. Les mutas qui font complètement la différence. Et là, en fait, alors que Minimat était quand même super loin derrière, hein, il faut être honnête, les mutas ont complètement tout changé. Attention. La fat qui va être prise. Oh, les bons force field qui sont bien positionnés. Très bon force field sur la première partie de l'armée de Minimat. Minimat qui essaye de reprendre un peu la force par le sud, mais il n'arrive pas à gratter une bonne concave, donc là c'est l'opération nickel de la part de Psionique. D'ailleurs, regardez dans les pertes, et Minimat rejoint Psionique, petite option, on est à 7575 pour 7800, mais attention, encore maximum de probes qui viennent de périr. Combien au total? Au total, on en a bien une trentaine, 40 mes amis. Tu vas pouvoir en ajouter un 35 d'ici la fin de la game. Ouais, c'est vrai. Propre ici encore de décéder. Et c'est parti, là c'est son all-in, hein. C'est le all-in de Psionic, hein. Il est obligé de faire mal maintenant. Le problème c'est que tous les mutas vont arriver. Les Zergling et les Roach vont essayer de tuer pas les Imo, mais surtout les Stalkers et les Sentries. C'est très parti, bon la fight qui est prise. Ah là très là. Très bon force field, attention là par contre il y a tellement de mutalistes que malheureusement. Voilà, il recule pour avoir tous ses Zergling et ses Roach et c'est fini. Il peut y aller, un clutch. Il peut foncer dans le tas. Akuliku. Et voilà. Akuliku. Très belle game de Minimat, hein, qui rattrape le retard qu'il avait au début de game, en middle de game. Et là, les mutins qui n'ont pas été vus. Et c'est ça en fait, c'est limite. Si le Protoss voit les mutas arriver, bah, il peut se défendre sans souci. Mais si tu t'arrives et tu en aperçois au moment où tu as 10 mutas chez toi, bah, là t'es dans la merde parce que tu étais en train de protéger ta B3. La B3 est super loin par rapport à la B1. Même si t'es blink ou pas, tu perds quand même 30 probes, enfin 18 probes et après t'es derrière. Non, clairement. Clairement, les pylônes ici qui sont attaqués de la part des mutas, c'est bien joué, vous voyez qu'il attaque pas au même endroit. Il essaie de créer un ordre de position. Oh la B3, il y a tellement de photons par contre, la B3 ne va pas tomber comme ça pour Sonic. Psionique à 62 de pop qui prend la fight contre les mutas, mais il n'a pas de blink, il va pouvoir blinker maintenant. Ah, mais il s'en fout, il a tellement de GG. Première game pour Minimat qui quand même a montré du gros niveau et ça me rappelle tellement Liveserg contre Lilbo, alors que Lilbo était bien dans la game et les mutas qui ont... Muta, surprise motherfucker, Muta dans ta base, c'est fini, c'est la débandade, qu'est-ce que tu dois faire? Alors est-ce qu'il aurait dû directement attaquer
au lieu d'attendre et c'est de dire tiens je me défends ou j'attaque. Il a quand même perdu une minute ou deux minutes pour attaquer. S'il aurait été direct, il aurait pu faire mal. Je trouve que ce qui a fait vraiment mal Moab Sionik, c'est son premier timing d'attaque sur Catgate qui a été totalement cancel et qu'il a du coup forcé derrière à partir sur à réaccélérer en gros son follow-up. Et le problème, c'est que normalement, ça marche par étapes. C'est-à-dire que tu as un timing d'attaque. Pendant ce timing, tu envoies des trucs par derrière. Suivant les dégâts que tu fais, soit tu continues à produire comme un bourrin, soit tu envoies ton double forge et tu commences ça. Tu vois, mais tu as un petit, vous avez une petite zone, en gros, de flottement où vous pouvez accélérer votre follow-up, comme vous pouvez continuer à peut-être remettre un petit tour de gate parce que vous sentez que vous faites vraiment mal. Et là, le problème, c'est que il est passé à côté totalement de cette première partie d'attaque. Ouais. Du coup, il s'est retrouvé à jouer macro face à un joueur qui était parti plus macro que lui, dans les infrastructures du moins. Il manquait un peu de drone, mais c'était normal. Il lui fallait la production pour pouvoir contrer et cerner sur quoi partait Psionic. Et je trouve que c'est là-dessus que Minimat a vraiment bien joué, les amis. C'est qu'il a totalement sorti Psionic de son rail. Et du coup, après Psionic, il s'est retrouvé dans un timing d'attaque à 15-14 minutes. Il avait même pas de blink, quoi. Enfin, il avait le 1-1 et c'est tout. Si on fait des parallèles avec des stratégies comme peuvent nous faire Lilbo, San ou Todd, bah limite, à une minute près, ils ont aussi le blink, ils ont aussi le 1-1 et ils ont des sentries et ils sont plus fat, quoi. Donc, c'est bien joué, mais je trouve vraiment que Minimat a géré au niveau de son départ et que le petit coup des Zerglings, ça l'a mis vraiment, vraiment bien. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé sur le canapé. Pour moi, Minimat a quasiment parfaitement joué, à part, comme vous l'avez bien souligné, les petites donations de Zerglings qui l'ont empêché de deny la B3, mais à part ça, il n'a pas fait d'erreur. Il a pris quelques fights qui étaient un peu douteuses, notamment quand il sur a... La B2. Sur la B2, là. Ouais, ouais, sur la B2. Là. Pour protéger sa gold aussi, il a perdu un peu trop, mais au final, son plan de jeu était nickel. Et contrairement à Psionic, l'exécution était au niveau. Psionic avait un bon plan de jeu, mais pareil, son 2-2 un peu late, il n'a pas pris les gars sur sa B3. Il y a des petits détails d'exécution qui font qu'à la fin, trop ça fait tard. Un effet boule de neige et que 3 minutes plus tard, tu te retrouves vraiment derrière. C'est clair.